c'est le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle run sur Binding of Isaac Rebirth, toujours avec Judas, jusqu'à ce qu'on réussisse au moins une partie avec lui. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme presque au moins, oui. Ah bah on commence bien. On va utiliser ça tout de suite. On aura le temps que ça se recharge pour la salle du boss normalement. Ouais, donc j'espère que vous allez bien, que les précédents épisodes vous ont plu, que le son sera bon, etc. Ah non, me dites pas que j'ai déjà mouru. Vraiment faire attention au début avec ce personnage. Alors, Envy, c'est la paresse ça normalement, Envy. Bon, les péchés capitaux. Donc j'ai un demi-cœur, ça va être un peu chaud, je vais mourir déjà. Ah, surtout avec ces araignées. Ok. J'ai eu chaud. Alors, objet. Alors là très très bien. Je pouvais pas avoir mieux je pense. Enfin, si je pouvais avoir mieux mais façon de parler quoi. Alors. Un cœur spirituel on aura plus besoin qu'autre chose. Des poupes. C'est bon je l'ai one shot, ça c'est bien. J'ai quoi en j'ai pas beaucoup d'augmentation de dégâts. Hein. Pourtant. Double bon, on va prendre la salle secrète qui se trouve. Elle m'a l'air d'être ici. Non. Ah, ici alors. Non plus. C'est pas grave. Donc je sais pas où elle était. Cœur spirituel. Et c'est bon. On garde les trois pièces. The Duke of Flies. Les dégâts. Ah, c'est un spécial, d'accord. Ok. Je lui fais très très mal. Oh, nice. Là, j'ai beaucoup de dégâts, c'est grâce au livre, mais bon. Alors deuxième étage, là je peux dire on est très très bien parti, on a eu un bon premier étage. Un objet all stat up, c'est très très bien pour commencer. Faut que je les refasse, c'est la première run de la journée, donc on va essayer de pas trop faire d'erreur. J'en ai déjà fait mais bon, on va se concentrer un minimum. Cherchons s'il y a du bleu. Non. Oh non. Pas très intéressant cet objet. Mais au moins je l'aurai pas à nouveau. C'est ça qui est bien. Voilà, ça c'est bien. J'ai assez de dégâts pour le moment. Mais pas besoin de plus. Là il me faudrait des cœurs. Par ici. Oh. On va bomber ça. Voilà. Donc un nouveau cœur spirituel. Allez, allez. Voilà. Oh, j'ai eu chaud. La musique. Regardons ici s'il y a quelque chose. Ah, une pièce, il me faut juste une pièce et là ça deviendra. Non, 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 j'ai rien dit. Je vais plutôt prendre ça. Parce que c'est un objet qu'on a dans la barre utilisable, donc non merci. Je préfère garder mon Book of Medial pendant un moment au moins jusqu'à ce que j'ai beaucoup de dégâts. Faisons pour l'étage. Un demi-cœur, non merci. Il nous reste juste une salle à visiter, elle se trouve ici.
Ok. Donc j'ai plus de demi-cœur que la normale, c'est... Enfin, normalement on en a moins que ça, mais c'est parce que j'ai le... J'ai le trinket qui permet d'avoir plus de cœur, si je ne m'abuse. Hein. Fistoula. J'ai commencé à faire n'importe quoi déjà. Donc j'ai perdu un cœur entier, je crois. Mais bon, ça c'est ça. Non merci, je vais pas prendre ça. Pas très intéressant du tout. J'aime pas trop cette araignée là. Alors ça c'est une salle très simple. Ah, juste un peu longue mais on peut pas se faire toucher normalement. Et là je vais me faire toucher comme un mongol. Ça ne m'étonnerait pas, voyez-vous. Alors une clé pour Infestation Baby, ça c'est un très bon, très bon objet je trouve. Parce qu'il crache des mouches, et les mouches ça fait du dégât. On va ouvrir ce coffre là. Nice, ça c'est très bien. J'accepte. Toujours pas trouvé de salle secrète, mais franchement je m'en fous vu que tout ce que j'ai là c'est vraiment du bénéf, hein. Parce que dans la salle on peut avoir trois pièces, oh là là. Alors que là on est sûr d'avoir quelque chose au moins dans un coffre. Bon après ça peut être trop bon, mais c'est pas grave, hein. Je tente rien à rien. Qu'est-ce que j'ai fait comme... Je suis idiot, hein. Ah oui, je suis idiot. Non, je vais garder ma clé pour la salle suivante. Enfin, pour l'étage suivant. Ah, bad trip. Mauvais. Pourquoi le bad trip, ça prend pas un cœur rouge et ça prend un cœur... cœur bleu? C'est chiant, ça. C'est rare quand les voici. Ah non, mais j'arrête pas de me faire toucher. Vraiment désolé pour vous donner un gameplay aussi. Oh là 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 là, je vais encore perdre, c'est ça? Oh non, pas ces ennemis là. J'ai pas envie de reperdre encore une fois, quoi. Non. Non, merci. Je garde mes clés. Bon. Nous n'allons pas perdre encore. Nous allons gagner. C'est juste qu'il faut que je sois réactif sur les esquives, et après ça devrait être bon. Réactif sur les esquives. Voilà. C'est quoi? C'est méga fatty. Kimata, Mate. Mais bon, j'ai du dégât, donc c'est pas grave. Enfin, du dégât, j'ai pas tant que ça, mais j'en ai au moins. Mr. Squeeze. Toujours plus de vitesse d'attaque. Ah ça c'est une salle tout bénef. Bah tout bénef, j'ai eu un cœur. J'ai eu un cœur bleu quoi, mais au moins elle est gratuite. Hein. Descendons. Cave Stew. Pas tout de suite dans la salle d'arcade, je vais garder mes pièces, on sait jamais. Oula. Merci le petit bébé qui vient de me sauver. Je déteste ces araignées là quand elles tirent sur trois tirs, enfin trois angles, c'est très chiant. Non, c'est une bombe trop ici. Il y a encore une salle normalement ici, on a Cave Stew, il y a encore trois salles de... Ok. Je crois pas que c'est un dime ça.
Je sais plus c'est combien les grilles. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah non, je me fais toucher. Ça fait peur d'un cœur, les explosions. Et ça change pas à partir de l'hétéro, je crois que c'est toujours un cœur. Si c'est deux, c'est vraiment pété. Ah, j'aime pas ces araignées. Quand elles étaient dans le premier déjà, elles étaient chiantes. D'accord, la salle est ici. Tu fais n'importe quoi. Encore une fois. Non, oh non. Bordel, mais qu'est-ce que je fais, moi? Je suis idiot. Et je me fais exploser encore. Encore plus faire n'importe quoi. Donc là j'ai 15 pièces. Je comprends pas vraiment l'utilité de ça. Ça me donne un bouclier. Ça fait quoi? Je sais pas. Ou alors ça donne juste des cœurs. Des cœurs supplémentaires, quoi. Je sais pas. J'ai tellement de pièces. Ok, ça. Salle secrète, non, elle est pas ici. Normalement, hein, c'est juste des idées. Voilà. Ici c'est comment? Elle est ici. Voilà. Donc si ce que je viens de faire là, si c'est la bonne méthode, ça va être nice ça. S'il y a un coin on peut pas en fait, où il y a un truc devant à l'entrée, ben c'est que c'est pas là en fait. Enfin je me comprends. Je vous montrerai pour la prochaine salle si jamais je cherche à l'exploser. Regardez. J'ai chaud. Megaman, c'est un clin d'œil ou... Ah, j'ai débloqué les catacombes, c'est pas trop tôt. Ah, nice, 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 nice. Ah, ça c'est très 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 bien. Oh my god. Vous êtes prêts? Ah, ça marche pas. D'accord. Ça marche pas encore. Vous comprendrez pourquoi j'ai fait ça plus tard. Nice. Ça, c'est très, 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 très bien. Bon, on est très bien parti, j'ai envie de dire. Pourquoi pas. Ouais, on est bien parti. On va tenter cette salle. J'aurais jamais dû. Mais c'est pas grave, ça va faire un peu d'XP en plus. Enfin, d'XP, qu'est-ce que je raconte? Je me crois dans. Dans un RPG, moi. Non, ça fait juste ça, peut-être donner un petit bonus à la fin. Ça n'est pas vraiment très dur, hein. c'est pas la difficulté qui est présent là. Ah, c'est chiant. Il faudrait du piercing arrow, en fait. Enfin du piercing shot que j'ai pas, que j'ai toujours pas eu comme objet d'ailleurs, le piercing shot. J'ai eu que dans le challenge Polyphemus, enfin challenge de Polyphemus et piercing arrow quoi. J'ai réussi à tout esquiver, je ne sais pas. C'est là ce qui est bien, c'est que je peux passer au-dessus des pics. Et... Allez, viens. Voilà. Les pires araignées, c'est celles qui font des lasers. Et ouais, mais sauf que moi maintenant je peux voler donc je peux aller à côté. Là, si genre je perds qu'un demi-cœur, c'est le demi-cœur à la sortie. Ouais, de toute façon, c'est pas grave. Là, c'est bien parce que dans le premier en fait ça passait également à travers les flammes et tirs spectrales, mais maintenant ça a été changé. Speed up, ok, pourquoi pas. Ah, il y a un petit clin d'œil, mais on va pas dire de quoi, sinon c'est pas autorisé. Ah.
Regardez un peu la forme du milieu et pensez ce que c'est. Je le passe vite la salle. Hein. Alors salle secrète, elle peut être ici et elle va être ici. Ah! Oh nice! Ça dans le coffre. Par contre, je risque de mourir. Je risque de me tuer tout seul en fait. Balls of Steel. Qui donne 3 ou 2 cœurs bleus. Je ne m'en rappelle plus. Ça c'est très dangereux, faut pas trop que je m'approche de mes cibles, sinon je risque de faire exploser le cerveau sur moi. Et c'est très dommage, c'est pire que les IPK que je trouve. IPK c'est un... Ouais voilà, comme on l'a pas encore vu. C'est au lieu d'avoir des larmes, on a des bombes qui peuvent aussi nous exploser sur nous. Et c'est ça fait très mal, ça fait un cœur de dégâts. Regardez, voilà ce qui vient de se passer. Ah, vos bombes, bon merci. Je préfère ce livre là. C'est plus rentable on va dire. Oula. Voilà, regardez, voilà ce qui vient de se passer avec le cerveau. Oh non mais non mais non mais non. Allez, le cerveau rip hop. J'aime pas ce cerveau. Ok, attaque fly. Nice. Ça c'est mon premier orbital. J'aurais dû regarder ici d'abord. Ouais. Ah flûte. J'ai pas de bombe en plus. Il manque une seule pièce. Oh non. Vous allez pas me faire ça quand même. Pas une. Ah bordel. Comment je peux faire? Il y a des bombes nulle part. Il y a une bombe ici, mais ouais, voilà quoi. Ah, fais chier. Je peux pas risquer, non. Bon, bah, dommage. Bien dommage. Le seul moyen c'est d'avoir une pièce ici. Ou alors des bombes. Oh, on s'échappe tous hein. Oh non, c'est vrai, pas eux, ils sautent. Je pensais pas ce bordel. Allez, hein, j'ai pas une pièce. Non merci, j'ai tout ce qu'il faut, pas besoin de ça. Plus de vitesse. Ah, j'ai une pièce. Nice, c'est ce qu'il me fallait. Je vais aller prendre la boussole quoi. Je sais pas, je sais pas s'il y a eu des baisses de FPS sur la vidéo, j'espère pas. Je sais pas, vu quand j'ai regardé le compteur, on était à 24, puis ça remontait à 30, donc j'espère pas qu'il y a eu des baisses. Donc là on voit tous les objectifs principaux qui est la salle au trésor. Ouais, là on est à des fans, la salle du boss, etc. Donc ce sera utile pour aller rapidement jusqu'à la fin de The Womb ou Utero, hein, l'un des deux. Et j'espère que je vais pas perdre cette fois-ci parce que ça me ferait. Ça me donnerait des boules, quoi, on va dire. Je tente. Putain, j'aurais pas dû tenter. Ah là 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 là, la prochaine fois je tenterai quand j'aurai une bombe. Le cerveau qui explose sur eux, faut pas que je reste proche. Comment ça, j'ai un bouclier? Ah oui, c'est mon bouclier de Virgin. Le signe, hein. Le signe, pas. Pas Virgin Mobile, quoi. Bon, blague de merde, je sais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, un cœur spirituel, ça fait plaisir. Close.
Ah non, il est là. Il explose là. Oh non, pas eux. C'est bon. Une pièce. Non, tu me donnes rien, bien sûr, parce que t'es radin. Des bombes. Non, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que je fais depuis tout à l'heure? Je fais vraiment n'importe quoi. Je sais pas ce qui vient d'exploser, si c'est mon cerveau ou quoi que ce soit. Le cerveau explosif, bien sûr. Allez, explose. Voilà. Faudra assez de pièces pour la map. On tente le tout pour le tout. 4 pièces encore. Il faut 3 pièces. 3 pièces. C'est ici la salle d'arcade? Non, j'ai passé la salle d'arcade. Oh non, mais non, mais non. Putain, mais j'en ai marre. Je fais de la merde. Je fais tellement de la merde, c'est n'importe quoi. Tu poses tout plus. Oh non. Bon, on a perdu, GG. On a perdu. C'était sympa. Ah, bordel, j'aurais jamais dû prendre cet objet. Là on va perdre tellement bêtement. Ah là, allez, je me fais exploser. Look up, ouais. Oh. Non, nice. On a peut-être pas perdu finalement. J'ai rien dit. Je vais pas faire le boss rush. Hein. Non, non, merci. J'ai ce qu'il me faut là. Non, pas ça. On va direct aller au boss. C'est bon, on a pas perdu. J'ai rien dit, excusez-moi. Il faut que j'arrête de faire n'importe quoi par contre. Hein. Sinon, ça va pas aller. Je parie sur la gauche. Eh ben j'ai faux, c'était à droite. Mais non, mais non, mais non, mais je m'explose tout seul, ça m'énerve. Je fais n'importe quoi. Combien de dégâts? Je suis au max de dégâts. Non mais non mais non mais je le vois pas celui-là, je l'ai pas vu. Bon, j'ai 5 heures pour réussir. Sacrifice, non merci, je suis pas assez fou. Scolex, c'est quoi ce boss? Ah, j'ai toujours pas vu lui, je me rappelle c'est qui, mais on l'a toujours pas vu. Oh bon, ça va être un chou, ça va être impossible. Hein. Ah, c'est ça. Oh oui, je peux pas. Hein. Non, 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 non merci, je prendrai jamais ça. Dernier étage, il faudrait une carte empereur pour être bien là pour directement le boss. Une salle d'arcade. Pourquoi pas, j'ai envie de dire.
plein de boules. Non, non, bordel. Pourquoi je me fais toucher comme ça? Je suis à combien de temps là? 22 minutes, ça va. C'est pas trop long. Ok, c'est pas grave. On va bomber ça. Puis ça. Enfin, pourquoi tu dis si c'est pour donner ça? Non, merci quoi. Le chemin vers le bas. Ok, un coffre dans un coffre qui donne une bombe, pourquoi pas. Très astucieux. Voilà. Oh, le truc qui me sert à rien maintenant. Super Meat Boy. La salle secrète peut être ici. Vive les dégâts par contre hein. Bon, le Steam Sales quand il n'y a plus de magasin, c'est pas... Voilà, c'est pas trop intéressant si tu vois ce que je veux dire. Oh non mais non mais non mais je fais toucher par quoi là? Non non pas là-haut. En bas. Est-ce que j'ai eu bon cette fois-ci? Parce que je sais pas différencier ces tirs des miens en fait. C'est ça le problème. Par contre après niveau dégâts je suis plus que bien. Comme quoi un seul objet peut changer la run. La preuve avec le Sacred Earth. Sans le Sacred Earth, j'aurais vraiment galéré, je pense que j'aurais pas ici. Regardez comment je défonce. Non. Ah, je suis mongol. Bon, on va retourner en arrière, j'ai pas envie d'aller au boss comme ça. J'ai pas assez de points de vie, je trouve. Et le cœur qui est juste en dessous, normalement c'est un demi. Voilà, j'ai pas changé de trinket depuis le début. Hein. J'ai pas beaucoup d'objets, je crois. Bon, j'ai pas tant que ça, ça va. Et on va tout de suite se faire le boss. Et on aura fini la run en... En dessous de 27 minutes, je crois. Je crois qu'on devrait être à 26. Ok, vive les dégâts. Non, 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 non. Si je meurs... Là... Ah voilà. Everything is terrible. Non, je pourrais monter au ciel, mais non merci. Oh la cathédrale. Dernier truc qu'on va essayer, c'est l'exploser lui. Ah marche pas. Bon ben voilà. Allez. Le jeu a crash. Non, c'est bon. J'ai flippé. Ah là 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 là, c'était chaud. Hein. Isaac. What the fuck? The game just got harder. Ah oui, donc le jeu devient plus dur. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheusDead pour HTTPNHD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.